Cap sur Gawa, au sud-ouest, visite terrain du gouverneur Burema Savadogo depuis son installation fin mars. Il était dans nos locaux hier à la RG, la RTB sud-ouest, venu toucher du doigt les conditions de travail dans ce média de proximité. Le gouverneur Savadogo a dit toute son admiration au personnel en guise d'encouragement. Oumarou Sagnon, Romuald Patrice Toé. Le gouverneur Burema Savadogo dans les locaux de la RTB Sud-Ouest. Cette visite du premier responsable de la région entre dans le cadre de sa tournée dans les différents services et directions décentralisés et déconcentrés. Le gouverneur a pu s'imprégner des réalités et des difficultés du travail des hommes et femmes de ce média de proximité. J'ai pu mesurer le professionnalisme qui est appliqué à cette structure. Donc depuis 36 ans, c'est une structure qui se bat. En tout cas pour la visibilité des actions au niveau de la région et du sud-ouest. Malgré les dures conditions de travail, j'ai fait le tour et je me suis rendu effectivement compte que les conditions de travail ne sont pas réunies, mais malgré tout, le travail qui est fait est de grande qualité. Une trentaine d'agents travaillent au quotidien dans ce média pour informer, éduquer, sensibiliser et divertir les populations de toute la région. Cette visite du gouverneur est donc saluée à sa juste valeur par les premiers responsables de la station locale de la RTB, groupe Média Leader. C'est un grand honneur que le gouverneur de la région du Sud-Ouest a bien voulu quand même nous gratifier ce matin. C'est vraiment une visite qui était vraiment attendue. Le gouverneur a été très attentif sur tout ce que nous lui disions. Burema Savadogo a été officiellement installé comme gouverneur de la région du Sud-Ouest le 25 mars dernier. Après la RTV Sud-Ouest, la tournée du premier responsable de la région va se poursuivre dans d'autres directions et services toujours avec le même objectif, s'enquérir des difficultés et encourager les agents pour le travail déjà abattu.